Salut les tarophiles, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle tout à fait particulier. Un jeu qui s'appelle The Threads of Fate. Cet oracle, composé de 55 cartes, n'est pour l'instant disponible qu'en anglais. Il a été créé par deux artistes, qui s'appellent Blair Porter et Braid June. Vous pouvez y retrouver leur site internet www.thethreadsoffate.com. Le jeu est livré dans une boîte en carton solide, avec des encoches sur le dessus et le dessous, et des dorures. À l'intérieur, un livret reprenant les explications des cartes. Quelques formes de tirage, ainsi que les définitions pour chacune des cartes de manière assez succincte, mais l'ensemble reste satisfaisant. Le dos des cartes est surimprimé en doré, de même que la tranche, mais la tranche est une dorure mate, non brillante, qui a priori devrait plutôt bien vieillir dans le temps. Concernant la qualité du jeu, il y a vraiment de quoi être satisfait. Le jeu en lui-même est solide, il glisse facilement, le revêtement satiné est extrêmement agréable. Au début, on a un peu peur que les cartes collent, mais après les avoir un peu brassées, l'ensemble se fait correctement. On remarque quand même quelques petites différences au niveau du calibrage des couleurs pour le dos, ce qu'on retrouve malheureusement assez souvent sur la plupart des jeux. Mais l'ensemble ne gêne pas. Et le dos réversible permettra justement de pouvoir tirer en droit et en vert. Le grammage des cartes est extrêmement satisfaisant, ce qui est suffisamment rare pour pouvoir le signaler. On est sur un grammage au-delà du 300 grammes, ce qui donne une bonne solidité à l'ensemble. Et une fois dans sa boîte, le jeu ne risquera pas ni d'être plié, ni d'être abîmé par les voyages. Allons voir maintenant les cartes en elles-mêmes. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu a été séparé en 5 parties. Les 32 premières cartes sont réparties en 4 familles, reprenant 4 éléments, et la cinquième, un cinquième élément. Voyons ici les cartes de la famille de la Terre. Demander au corps. La patience. Le retrait, la délivrance, les limites, le fait de devenir sauvage, la nature, la force. Ici, les cartes associées à l'élément de l'air.
le partage de la sagesse, prendre de la hauteur, parler franchement, l'ombre, oser rêver, transmuter, le travail de l'âme et la versatilité. Ici, les cartes liées à l'élément de l'eau. La reddition. Le jeu. L'amour-propre. La compassion. La connexion du cœur. Faire preuve de créativité. La confiance et le reflet. Voyons à présent les cartes liées à l'élément feu. La puissance. Récupérer. Manifester. Prendre des risques. La destruction, le mouvement, être curieux et la sexualité sacrée. Et enfin les cartes du dernier élément, l'éther. L'alchimiste, les ancêtres. L'ascension, le créateur, la mort, l'explorateur, le destin, l'amour, le roi mage, l'observateur, le hors-la-loi, le paradoxe. Le pilier, le révolutionnaire, le sage, le chercheur, le souverain, l'outre-monde, l'univers, le vide, le guerrier, le tisserand, et le sauvage. J'ai commandé ce jeu sur la boutique House of Form Lab et je suis vraiment ravi de la réception puisque j'ai eu, en plus du jeu, un bâton d'encens et une petite pierre, une aventurine. Ainsi qu'un petit mot de la part de Madame Formastica. Vous pouvez retrouver la boutique sur houseofformlab.com. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si jamais vous avez aimé le jeu ou la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.